J'ai appris à me déplacer avec des palmes, un masque, un tuba. Comprendre pourquoi on peut pas prendre n'importe quel corail et le réimplanter n'importe où. Il y a toute une démarche qui est globale. La réhabilitation de récifs, c'est quelque chose qui m'intéresse. La méthode d'Ocean Quest m'a plu et m'a paru être vraiment une bonne méthode respectueuse de l'environnement. Bah c'est super important de préserver le récif corallien. Ça abrite 25% de la biodiversité marine. Si on n'a plus de récifs, on n'a plus de bébés poissons qui peuvent se réfugier, on n'a plus de naissances dans ce récif. Et du coup, les poissons n'ont pas le temps de grandir non plus, il n'y a plus de poissons. Et on casse toute la chaîne alimentaire, en fait. Voilà, là, on a des coraux qui ont été rapportés par les filles. C'est des coraux qui ont été trouvés cassés, qui sont dans le sable. Donc, en fait, ils vont mourir et nous, on va les sauver. Enfin, on va essayer de sauver un maximum. Une fois que les morceaux de coraux ont été fixés sur les substrats, les roches, il va falloir rapidement aller les ramener sous l'eau pour pas qu'ils soient stressés longtemps à l'air libre. Voilà. Super. Donc il y a... Attention, sur celui-là, il y en a trois. Il y en a un sur le bord, là. Okay. D'accord. De là. Donc 3, 4, 5, 6. Sur trois substrats, et là, il y en a deux et deux. Ok. Okay. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande d'être agile, ça demande aussi justement de faire très attention. Il faut être délicat, c'est pas parce que justement il faut aller vite que faut mal faire. C'est des choses très fragiles qu'on a dans les mains. J'ai beaucoup appris, ne serait-ce que sur ce qu'est le corail. En fait, on a fait un peu de théorie, mais je pense que c'était la base nécessaire pour bien démarrer mon apprentissage et tout le temps passé avec Ocean Quest. Donc pour ça, c'était très riche. J'ai appris à connaître toute la bande des bénévoles et elles ont chacune un parcours différent et elles enrichissent le projet grâce à ça. Ah, je le vois pas bien. Ouais, super. Cool. Alizé, toutes les deux. Chez Ocean Quest, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on a beaucoup de bras. On a besoin de bras. Si on regarde bien comment on fonctionne au niveau de la réhabilitation, des replantations, c'est beaucoup d'énergie. Si on veut un jour, c'est notre projet, pour l'instant ce n'est pas encore le cas, faire une réhabilitation complète d'un récif, il faudra beaucoup de monde formé.